Bonjour les petits loups, bonjour à vos parents. J'espère que vous allez tous bien et que vous arrivez à vous occuper toute la journée dans votre maison puisqu'il faut rester confiné, vous le savez bien. J'avais envie de vous parler aujourd'hui principalement à vous les enfants. Aujourd'hui on est le 25 mars et dans le calendrier chrétien, c'est une fête particulière qu'on appelle la fête de l'Annonciation. L'Annonciation, c'est le moment où Marie a su qu'elle allait avoir un bébé et que vous connaissez tous puisqu'il s'agit de Jésus. Peut-être que vous vous souvenez, vous aussi, si vous avez des petits frères et des petites sœurs, quand vos parents vous ont dit que vous alliez devenir des grands frères et des grandes sœurs pour un tout petit bout de chou qui allait arriver dans votre vie. Pour Marie, dans la Bible, on raconte que ça s'est passé assez étrangement puisqu'elle aurait reçu la visite d'un être étrange qui serait venu lui dire cette nouvelle extraordinaire de la naissance de Jésus. Voici l'histoire. Dans un village de Galilée appelé Nazareth, une jeune fille nommée Marie reçoit une étrange visite. C'est un messager de Dieu qui s'appelle Gabriel et dont toute la Bible parle tout le temps parce que c'est lui l'ange principal qui vient dire toutes les nouvelles importantes aux humains de la part de Dieu. Gabriel, ça veut dire celui qui se tient devant Dieu. En gros, c'est celui qui apporte les nouvelles que Dieu lui-même ne peut pas nous transmettre directement. Évidemment, les anges sont difficiles à voir. Mais ce jour-là, Marie a bien compris qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie et que peut-être c'était un signe de Dieu, un message venant de lui. Car cet ange Gabriel dit à Marie dans son cœur, tu vas avoir un fils, un bébé, et tu l'appelleras Jésus. Et il sera considéré comme le fils de Dieu. Alors, Marie, évidemment, se demande, mais comment cela est-il possible? Gabriel la rassure. Et il va lui dire que non seulement elle va avoir un bébé, alors qu'elle ne connaît pas encore son mari Joseph, elle ne vit toujours pas avec lui, elle est seulement fiancée avec lui. Mais en plus, sa cousine Élisabeth, qui habite un peu plus haut dans les montagnes, va elle aussi enfanter alors qu'elle est déjà une vieille femme. Marie comprend alors qu'elle est dans quelque chose d'extraordinaire. Alors, elle rend grâce à Dieu et elle dit sa louange à Dieu pour toutes les choses apparemment impossibles aux hommes que Dieu fait et qui pourtant deviennent tout à coup possibles. Voilà la louange de Marie. Et Marie dit cette louange, Magnifique est le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a posé son regard sur moi, son humble servante. Désormais, chaque génération me dira heureuse, parce que Dieu a fait pour moi de grandes choses. Toute cette histoire de bébé, de naissance, de visite entre l'ange Gabriel et Marie, entre Marie et Élisabeth qui va courir chez sa cousine pour aller voir ce que l'ange a dit et voir si c'est bien vrai tout ce qu'il a raconté, toute cette louange que Marie va rendre à Dieu en voyant toutes les merveilles que peut faire Dieu dans sa vie, ce sont de très très belles histoires qui nous racontent à quel point la naissance de Jésus, l'homme Jésus, le bébé d'abord, et puis ensuite celui qui est devenu un homme comme nous, un homme qui a eu une vie comme nous, avec une naissance, une vie et une mort. Combien cette naissance est un événement important dans la Bible. Et tous les êtres humains peuvent bénéficier de cette naissance parce que Jésus porte un prénom très particulier, il s'appelle Dieu sauve. Jésus, ça veut dire ça. Et tous les êtres humains peuvent très bien retrouver ce salut de Dieu, c'est-à-dire que Dieu les sauve
à travers la vie de Jésus. Non pas d'une façon magique, comme si tout à coup le fait de dire son prénom suffisait à tout arranger, mais parce que c'est un homme comme nous tous, et qu'il a donc montré un certain exemple de vie, une certaine façon de comprendre la vie, et une vie pas seulement entre les êtres humains, mais une vie aussi reliée à quelque chose de plus grand que nous, et que les humains ont l'habitude d'appeler Dieu. Alors ce petit Jésus qui naît grâce à Marie qui accepte cette mission de Dieu donnée par l'ange Gabriel, ce petit Jésus qui s'appelle Dieu sauve, de quoi peut-il nous sauver? Certaines personnes dans notre monde sont en danger à cause de la guerre qui sévit dans leur pays, à cause aussi parfois d'une misère très grande qui fait qu'ils n'ont pas toujours à manger ou à boire tous les jours, parfois aussi parce qu'ils ont du mal à se soigner parce que leur pays est très pauvre. Et en ce moment, dans notre propre pays, il y a un danger qui est cette épidémie de coronavirus. Alors évidemment, dans ce contexte-là, on peut tous se demander, mais comment Jésus pourrait-il bien faire quelque chose pour nous, lui qui est mort il y a très longtemps? En ce moment, cette maladie très contagieuse nous oblige à rester chez nous, loin des copains, loin des personnes que nous voyons d'habitude, loin des activités que nous aimons faire à l'extérieur de chez nous. Alors, si on pouvait comprendre comment Jésus peut agir dans cette situation-là, ce serait quand même bien. Parce qu'après tout, c'est dans les moments les plus difficiles où nous avons besoin de la parole de Dieu et de la présence de Jésus. Jésus s'appelle Dieu sauve. Et Dieu sauve, c'est peut-être le moment de se demander qui sauve-t-il et de quoi. Jésus sauve toute personne qui regarde un peu sa vie et qui écoute son enseignement. Jésus nous a appris des choses importantes pour notre propre vie en nous montrant l'exemple avec sa propre vie et sa propre foi en Dieu. Par exemple, il nous a appris qu'il fallait nous aimer les uns les autres. Alors, ce n'est pas toujours facile à faire, mais si nous nous aimons les uns les autres aujourd'hui, alors nous allons rester bien gentiment confinés chez nous pour ne pas aller rendre malades d'autres personnes. Si nous nous aimons les uns les autres, nous allons faire attention à ne pas prendre tout ce qu'il y a dans un magasin quand nous faisons les courses et ne rien laisser aux autres. Si nous nous aimons les uns les autres, nous allons être sans doute attentifs à ceux qui sont seuls et qui ont besoin de notre présence, et nous relier les uns les autres dans un même élan d'amitié et de fraternité. Si nous nous aimons les uns les autres, nous allons essayer d'être le plus gentil possible dans cette vie un peu étrange où nous vivons tous enfermés dans la même maison pendant longtemps. Alors oui, Jésus nous apprend quelque chose de très important pour notre salut, c'est-à-dire pour nous sauver de tout ce qui pourrait rendre la vie triste, tout ce qui pourrait donner une vie médiocre, une vie qui n'aurait pas beaucoup de sens. Et puis Jésus nous apprend à ne pas désespérer. Il a montré dans beaucoup d'occasions que la foi qu'il avait en Dieu pouvait sauver toutes sortes de situations apparemment complètement perdues au départ. Beaucoup de malades ont pu se relever à son contact parce qu'ils avaient l'impression qu'ils pouvaient espérer une vraie guérison. Beaucoup de gens qui n'avaient plus d'espoir dans l'avenir parce qu'ils étaient rejetés par tous ont trouvé en sa parole et en sa présence beaucoup d'espoir pour vivre leur vie, affirmer qui ils étaient et revenir vivre avec tous dans une amitié possible. Alors,
Jésus, en effet, est capable de sauver beaucoup de monde parce qu'il est capable d'enseigner beaucoup de choses pour notre vie quotidienne. Non pas en faisant quelque chose de magique, mais en faisant des choses très simples que tous les êtres humains peuvent faire et qu'ils ont parfois bien du mal à faire. Alors, dans ce 10e jour de confinement, retenez bien les enfants. C'est aujourd'hui, le 25 mars, la fête de l'Annonciation, et c'est la fête de l'annonce d'une très très bonne nouvelle pour Marie, mais aussi pour le monde entier, puisque ce jour-là, on a dit à Marie qu'elle allait avoir un fils extraordinaire, puisqu'il allait devenir le fils de Dieu. Il n'y a pas que Jésus qui est fils de Dieu. Tous ceux qui croient en Dieu peuvent devenir ses enfants, c'est-à-dire faire confiance à Dieu pour l'avenir. Alors, le salut de Dieu, ce Jésus qui sauve, il est pour tous les êtres humains. Et j'espère que, à l'écoute de sa parole, en racontant les belles histoires de Jésus, vous avez compris vous-même, en les écoutant, en les racontant à d'autres, que tout ça était possible pour nous tous et que nous pouvions espérer dans l'avenir. Alors surtout, ne soyez pas triste si c'est un petit peu difficile parfois à la maison, si vous ne voyez pas vos copains, si vous n'allez plus à vos activités. Vous allez bientôt sortir de cette situation-là et vous serez à nouveau très heureux de revoir tout le monde. Mais pour le moment, il faut aimer très fort les autres et rester chez vous confinés, même si c'est pas très facile. Alors profitez-en pour lire la Bible et lire les belles histoires de Jésus. Dieu sauve. Maintenant, en réécoutant la petite histoire biblique que je vous ai racontée avec mes petits personnages que j'ai découpés dans du papier, je voudrais vous poser quelques questions pour que vous puissiez vous-même retenir ce qu'il y a d'important dans cette histoire. Comment s'appelle la maman de Jésus? Première question. Comment s'appelle celui qui a rencontré la maman de Jésus et qui lui a appris qu'elle aurait un fils? Ensuite, qui est la personne de la famille de la maman de Jésus qui a elle aussi bénéficier d'un bébé qui a pu arriver alors qu'elle était très âgée. Je vous laisse avec ces questions, réécoutez bien l'histoire et on se retrouve très bientôt. Bon courage à tous et amusez-vous bien.